Bonjour tout le monde. Alors pour cette semaine, je vous fais une vidéo entièrement en français. Parce que pourquoi pas? Si cette vidéo vous plaît, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, etc. Et si vous voulez faire une petite contribution, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur DC Music School ou Sound Slice. Il y a des cours de jazz manouche, de bebop, etc. Et j'ai mis tous les liens dans la description. Alors je suis présentement à Tokyo. Et je dois remercier Stringphonic in English. Oui, Stringphonic de m'avoir prêté cette magnifique guitare qui, d'ailleurs, est à vendre. Alors, si elle vous intéresse, envoyez-moi un petit message. Alors, cette semaine, on va parler d'une façon d'aborder l'improvisation. Et en tant que guitariste, et surtout dans le jazz manouche, on a souvent tendance à jouer beaucoup dans les accords. Et enchaîner des plans. Par exemple, si je prenais All of Me. Etc. Bon, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ces dernières années, j'essaie de développer une façon d'improviser qui, c'est une façon plutôt spontanée. Et en fait, à l'oreille. Mais bien sûr, on va pouvoir se servir des plans ou des schémas, mais il y aura beaucoup de manipulations et ça ne sera pas que du copier-coller comme j'ai fait tout à l'heure. Et d'ailleurs, si vous étudiez les solos de Django, c'est souvent comme ça qu'il faisait. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est pas que du noir et blanc, il y a quand même une grande marge de flexibilité. Donc que ce soit de la pure improvisation ou des plans copier-coller, c'est souvent un peu entre les deux. Et je tiens à dire aussi que cette façon d'aborder l'improvisation, à mon avis, est plutôt avancée et généralement pas pour les débutants. Alors, si ça vous paraît trop difficile, il serait peut-être mieux de travailler autrement au début. Et justement, quand je commençais, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup les plans. Alors, ne vous inquiétez pas. Une autre façon de travailler, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est de ne pas improviser, mais de peut-être composer vos propres solos en vous inspirant de mes conseils. Et peut-être que cela vous permettra de développer vos oreilles et votre sensibilité musicale. Il faut jouer avec le cœur. Alors déjà, l'idée de raconter une histoire dans notre improvisation, une bonne façon de raconter une belle histoire serait de bien étudier le thème du morceau. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi ce très très beau standard qui s'appelle I'll see you in my dreams. Je te verrai dans mes rêves. Bon, pas que ce thème, mais les thèmes en général, des standards. Et justement, en apprenant plein de grilles, plein d'accords, et plein de thèmes, on apprend quand même pas mal sur la musicalité, les choix de notes, les phrasés, etc. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur le phrasé, alors je vous conseille de regarder celle-là avant même de regarder celle-ci. Alors, cette façon d'aborder l'improvisation est plutôt avancée parce qu'elle nécessite quand même une assez bonne connaissance des thèmes, des accords, l'harmonie. Faut travailler le vocabulaire et surtout avoir des oreilles assez développées qui vont nous permettre d'entendre plusieurs chemins sur le moment. C'est-à-dire quand on est sur tel ou tel accord, par exemple, je sais pas, Do majeur, et que je joue quelques notes, par exemple, à l'oreille, il va falloir être capable d'entendre les possibilités qui viennent après.
Sinon, ta dé dé do da ra ta dé ro ra ta ra te ra ta dé do da dé au bo do dé do do da. Qu'est-ce que j'ai chanté? Dé au bo do do dé do da. Je me rappelle plus. Do do dé au bo do dé au. Alors ça c'est des années de travail. C'est un grand travail d'écoute et quelque chose que je continue à travailler même aujourd'hui parce que c'est sans fin. Alors voilà, c'est plutôt avancé, mais peut-être si vous êtes plutôt débutant ou même intermédiaire, peut-être que ça pourrait quand même vous servir de regarder cette vidéo. Ça pourrait peut-être vous donner des idées sur quoi travailler éventuellement. Alors, pourquoi travailler le thème? Bon, il y a plusieurs raisons, mais déjà une façon d'étudier le thème serait d'étudier le phrasé du thème et non pas juste les notes. Et voilà, par exemple, I'll see you in my dreams. Le thème fait. Ça, c'est la première phrase. Donc, les deux premiers, voilà, les deux premiers accords, si bémol et si bémol mineur. Ça, c'était la première phrase. La deuxième phrase. Troisième. Quatrième, qui est une réponse à la troisième. Etc. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon solo que vous avez entendu au début. Alors, ça serait peut-être une bonne idée d'organiser vos improvisations de cette manière. De ne pas toujours jouer que comment dire, des croches tout le long, mais de séparer vos phrases. Et justement, en travaillant, en étudiant pas mal de thèmes, on découvre plusieurs possibilités en ce qui concerne le phrasé. Après, on regarde les harmonies. Bon, moi, je ne joue pas exactement la même grille que Django. Moi, j'aime bien mettre le Mi 7 ici dans le. Si bémol, Fa, Mi septième. J'aime bien mettre cet accord-là parce que le thème le permet. Mais Django, il ne faisait pas. Alors justement, quand on travaille les morceaux, c'est à vous de bien choisir vos harmonies ou de se mettre d'accord. Et d'ailleurs, si la rythmique reste sur Fa, on peut nous-mêmes, en tant que soliste, imposer le Mi septième. C'est très faisable. Et j'en parle d'ailleurs dans mes vidéos. En anglais, je dis harmonic direction. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, dans mon solo, la première fois, j'ai joué le mi septième dans mon improvisation, la première moitié, mais la deuxième moitié, j'ai pensé juste Fa majeur. Alors que justement, la rythmique joue mi sept. Alors écoutez. Alors voilà justement un exemple de harmonic direction. Harmonic direction. Harmonic. Harmonic. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant, c'est de savoir quelles notes on peut jouer sur tel ou tel accord. À part bien sûr les notes principales, par exemple si on a si bémol, les notes principales bien sûr sont les notes de la triade. Mais à part ça, quelles autres notes est-ce qu'on peut jouer? Et j'aime bien ce morceau parce que justement, dans ce morceau, il y a le Ré septième qui apparaît deux fois, dans la première moitié et dans la deuxième moitié, vers la fin. Et justement, en étudiant le thème, on voit que le compositeur traite ses accords différemment les deux fois. La première fois, il pense Ré neuvième, parce que le thème fait. Alors, en accord mélodie. Avec le mi bécart. La deuxième fois, le compositeur fait mi bémol, la 9 bémol. Alors voilà, mi bémol et mi bécart. Une note, un demi-ton de différence, mais ça change le caractère de l'accord. Et c'est pareil dans All of Me.
quand on a le la septième. Mais vers la fin, you took the part that once was my 9 bécart. Alors vous voyez, on apprend beaucoup rien qu'en étudiant les morceaux, les thèmes et les accords. Alors ça veut dire que dans l'impro, il y a quand même une flexibilité sur les choix de notes. Et ça sort un peu des choix de gamme, parce que justement, il y a aucune gamme où il y a justement la 9 bémol et la 9 bécart. Parce que quand il y a la 9 bémol, il y a aussi la 9 dièse. Et non pas la 9 bécart. Mais on s'en fout parce que les plus grands improvisateurs, dont Django fait partie, mélanger un peu ces notes, même dans la même phrase. Voilà une petite phrase à la Django. Alors, qu'est-ce que je jouais? Là, c'est Ré 9e. Et après, bémol. Bémol, et là, 9 bécart. Donc, en ce qui concerne ces choix de notes, c'est justement, c'est à vous de développer vos oreilles pour que vous puissiez, sur le moment, choisir quelle note jouer pour justement créer l'effet que vous désirez. Passons à autre chose. Alors, je ne l'ai pas trop fait dans mon solo que j'ai enregistré pour vous au début, mais une façon intéressante de travailler le thème et l'improvisation serait de jouer le thème, la phrase, et ensuite, dans l'espace qui reste entre les phrases, de continuer avec de l'impro en soulignant les accords. Bon, par exemple. Ou même All of Me. Et donc pour cela, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut bien, bon, faut connaître le thème, il faut connaître les accords, avoir connaître bien ses, mais ses ar mais les accords, c'est les arpèges aussi. Bon, les arpèges, les accords, avoir un bon vocabulaire et quand même une certaine aisance avec le phrasé. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de bien étudier la tessiture du thème, parce que en tant que guitariste, on a parfois tendance à exagérer avec nos arpèges à 3 octaves. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être plus comme un chanteur ou chanteuse, chianteuse. Bref, voilà, c'était quelques idées pour vous faire réfléchir un peu. Il n'y a pas de règles, c'est à vous de gérer vos préférences et ensuite de les développer. Il y a quand même plein de façons d'aborder l'improvisation. Et moi, aujourd'hui, je vous ai parlé de ce que moi j'essaie de développer ces dernières années. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure façon non plus. Par exemple, moi je suis pas trop le genre à faire des effets ou des trucs, disons plutôt guitaristiques. Genre ce genre de schéma. Ce genre de truc. Et c'est pas une critique, hein. Ou même des trucs genre. Bah, c'est des trucs que je bossais au début parce que c'était amusant et pour travailler la technique. Mais musicalement, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est moi ce que j'essaie de faire ces dernières années. J'en fais parfois un peu pour m'amuser ou juste pour avoir un peu de variété. Mais voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de travailler. Voilà, bonne chance.